Yo les amis, et ben nous voilà au prochain épisode, donc l'épisode numéro 4, concernant tout simplement DJ Hero. Très très bon jeu de mix, bon, un petit peu obsolète par rapport à la table de mixage qu'on a, mais bon, ça reste quand même bien cool pour des petites soirées entre amis et tout, et franchement j'ai kiffé ce jeu, mais franchement de malade. Et ici j'avais réussi à trouver donc le DJ Hero 1. En boîte avec la platine et avec le DJ Hero 2 offert pour 30 euros, tout ça en boîte et dans un état mais quasi neuf. Ouais, franchement, j'avais fait une bonne affaire il y a à peu près un an maintenant que je l'ai. Et donc, j'avais envie de refaire un petit épisode dessus parce que franchement, je trouve que c'est un très très bon jeu. En plus, on pouvait associer à l'époque les guitares et en même temps le chant et tout avec sur la PlayStation 3. Donc franchement c'était vraiment cool, c'était un jeu qui reste encore pour moi très 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 bien. Je regrette d'ailleurs qu'ils n'ont pas fait sur la PS4, qu'ils n'ont pas sorti, enfin qu'ils n'ont pas réédité sur la PS4 et ou alors ressortir tout simplement un troisième numéro sur la PlayStation 3 parce qu'il n'y en a que deux malheureusement, donc c'est un peu dommage. Donc je vous dis à tout de suite après le générique, c'est parti, let's go. Donc, comme vous allez le voir dans quelques secondes, le temps de chargement, enfin, pendant le temps de chargement, j'explique un petit peu les petits problèmes qu'il y a au niveau du jeu, enfin, principalement au niveau de la platine. Donc, par rapport à cette platine-ci, voilà, qu'elle a, c'est tout simplement la platine classique. Bon, bah, le petit bémol qu'il y a, c'est que c'est sur pile, malheureusement. Donc voilà, deux piles crayon, hein, donc les LR6 quoi, tout simplement. Donc bon, après ça tient encore à peu près bien assez longtemps, donc ça va encore, mais ça consomme quand même relativement pas mal au niveau des piles, donc c'est un petit peu dommage, un petit bémol que j'aurais dit par rapport à DJ Hero. Donc voilà, donc c'est platine. Bah, après la platine reste stylée, comme vous voyez, elle est quand même relativement jolie et tout, donc voilà quoi. Donc, eh bien, c'est parti! Donc voilà, comme je l'ai dit, on va se retrouver sur un petit DJ Hero. Tout beau. Petit DJ Hero 2. Que je kiffe plutôt pas mal. Je le trouve encore assez bien stylé ce jeu. Donc voilà.
Et voilà, là pour l'instant c'est en chargement. Ça va en profiter pour vous dire un petit bémol par rapport au jeu. Donc c'est surtout par rapport aux platines. Donc par rapport à cette platine-ci, voilà, qu'elle a, c'est tout simplement la platine classique. Bon bah le petit bémol qu'il y a, c'est que c'est sur pile, malheureusement. Donc voilà, deux piles crayon, hein, donc les LR6 quoi, tout simplement. Donc bon après ça tient encore à peu près bien assez longtemps, donc ça va encore, mais ça consomme quand même relativement pas mal au niveau des piles, donc c'est un petit peu dommage, un petit bémol que j'aurais dit par rapport à DJ Hero. Donc voilà, donc cette platine. Bah, après la platine reste stylée, comme vous voyez, elle est quand même relativement jolie et tout. Donc voilà quoi. Bon, ici nous allons tout simplement sélectionner une partie rapide. Par contre, je ne sais plus comment on fait pour retirer les. D'accord. Alors, elle est où celle que je voulais? Nous allons faire tout simplement, et comme vous voyez j'ai des petits soucis au niveau de la télé, j'ai le son qui diminue tout seul, donc ça me casse un peu les couilles. Donc et ben c'est parti. Thank you.
Et ben voilà les amis, c'était un petit DJ Hero. Bon, j'ai fait quelques petites erreurs malheureusement, parce que ça fait très 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 longtemps que j'ai pu jouer avec ce jeu, mais ça reste toujours bien sympa. Et ben voilà les amis, c'était un joli petit épisode celui-là sur DJ Hero, franchement un jeu que j'ai vraiment kiffé de malade. À l'époque que je l'avais, au tout début qu'il est sorti, c'était un pote qui l'avait acheté en premier et on s'est éclaté, mais là on a fait des soirées mais de ouf dessus, un truc de barge. Et ici j'étais quand même vachement content de le retrouver, de le revoir en boîte et tout, donc voilà, donc ça fait déjà un an que je l'ai racheté, malgré qu'il a des petits bémols hein, au niveau, enfin dis-moi, en expert ça va, c'est déjà pas mal, il y a déjà vachement plus de trucs à faire, mais il faut vraiment gérer de ouf. Mais le gros point noir, c'est malheureusement qu'ils auraient dû faire la platine connectée directement à la console plutôt que de passer par le détecteur qu'on doit brancher sur la console et brancher et mettre alimenter la manette, enfin la platine sur pile. Ça, c'est vraiment un petit peu dommage. Je sais qu'il y a des gens sur YouTube qui ont fait des systèmes de batterie. Des petits systèmes de batterie, en fait, ils ont tout simplement modifié la platine et ils ont branché directement une batterie dessus, qu'on branchait sur le côté avec en USB pour la recharger et tout ça. Peut-être que ça je le ferai, ou peut-être pas, ou si j'arrive à retrouver une deuxième platine seule, pas chère, sans la boîte et tout, vraiment pas trop chère, peut-être que je ferai un système comme ça et celle-là que j'ai là, bah, je la garderai en boîte pour la collection tout simplement. Donc voilà quoi. J'espère que cet épisode-là vous aura plu. N'hésitez pas à mettre encore un pouce bleu comme d'habitude, à vous abonner, activer la cloche de notification et regarder les vidéos jusqu'au bout. Merci à vous. Ciao, à la prochaine.